Salut tout le monde, c'est Néo. Je passe mon week-end à l'hôtel Dome Castle à Marne-la-Vallée. Et cet après-midi, il y aura Levana qui va fêter son anniversaire à l'hôtel. Du coup, elle m'a invité. Alors comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai fait un prank à Levana. Elle a fini par me pardonner quand même. Et vu que je suis joueur, je vais lui en refaire un pour son anniversaire. Je sens que ça va être trop drôle. Alors il y a deux cartons, mais il n'y a qu'un seul cadeau en réalité. Alors c'est lequel à votre avis? Celui-là? 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 Bon allez, je vous le dis, c'est dans celui-là. Allez, je l'ouvre. Et voilà, regardez tout ce qu'il y a. Alors, je lui ai pris une mini géance, une licorne un peu basée sur les couleurs de Noël. Je la trouve très jolie. Un poids un peu plus géant. Là, on a une énorme sucette de guimauve. Je lui ai aussi pris un mug. Alors, lui, je vais vous le montrer de plus près. Regardez comme elle est magnifique, avec une licorne. Très originale. Très coloré. Un collier avec une jolie perle au bout. Alors là, on la voit pas pour l'instant. Regardez qu'il y a plusieurs étapes en fait. Au début, on ouvre la boîte. Ensuite, il y a un coquillage. Et à l'intérieur, il y a une perle. Et la perle, on la met à l'intérieur du pendentif. Et après, ça nous fait un collier avec une petite perle. C'est magnifique. Et on peut réaliser un vœu. Et pour finir, une petite figurine Mary Poppins parce que je sais qu'elle aime beaucoup ce personnage. Alors voilà, ça c'est le vrai cadeau. Je le referme. Et là, je vais vous montrer le prank. Alors le deuxième carton, alors il y a rien. Et je vais vous montrer ce que je compte mettre à l'intérieur. Alors dans ce grand carton, je vais mettre ce carton. Dans ce 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 carton, je vais mettre ce carton. Et pour finir, je vais mettre cette petite boîte dans l'autre carton. Alors dans ce genre de boîte, il peut y avoir des bijoux, des boucles d'oreilles ou même une bague. Ça représente beaucoup de choses. D'ailleurs, elle va peut-être croire que je lui fais ma déclaration. Et regardez ce que je vais lui offrir. Je vais saluer Nevana. Alors bien sûr, j'ai commencé par lui offrir le carton prank. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir sa réaction. Bon maintenant, il faut que je lui écrive la carte d'anniversaire et surtout que je fasse les papiers cadeaux. Dans chaque carton, je vais mettre un petit mot avec une phrase amusante. Regardez, le cadeau de ta vie. Ça va être trop drôle, je sens. Donc voilà, regardez, là il y a le cadeau prank et là il y a le vrai cadeau. Donc là, on attend que l'anniversaire commence. Alors regardez comment ça se passe l'anniversaire de Nevana. Les fins de décoration, bah c'est sur le thème des licornes, hein. Avec des ballons. Là, il y a les gâteaux, je vais vous le montrer avec les bonbons. Il y a plein de ballons roses et tout, c'est vraiment bien girly, hein. Très joli, bien décoré. Photo. Alors, c'est pour ses 13 ans, regardez. Les Nevana, 13 ans. Joyeux anniversaire. Regardez comme c'est magnifique. Les décorations. C'est très joli, hein. Le thème. Pour finir, le gâteau, c'est un gâteau licorne, hein. Fallait s'y attendre, donc c'est marqué Nevana avec des jolies roses. Me voici avec Nevana. Coucou. Alors ça se passe bien pour l'anniversaire? C'est trop ouf, la décoration est magnifique. C'est moi qui ai décidé l'univers licorne, alors je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est sympa quand même. Et les gâteaux sont trop beaux aussi. J'ai hâte de les goûter et de voir tous les cadeaux que tout le monde m'a offert. J'ai vraiment trop hâte. Je vais bientôt lui apporter ses cadeaux, alors je vais commencer par celui-là pour mon prank. La beauté du carton. J'ai jamais vu un carton magnifique, hein. Bah voilà, c'était un carton, je voulais tout faire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi je sais ce que c'est. Non, je sais ce que c'est. Non, pas le téléphone, le téléphone. Mais non, c'est pas un micro, pas du tout. C'est un cadeau. C'est un cadeau dans un cadeau. Ouais. Cadeau et là ça va finir comme ça. Alors, bah, en fait, au moins t'as eu des cadeaux. À la fin, c'est une bague. C'est une bague. À la fin, c'est la partie. Ouais, ouais. À la fin,
Un sucre. Une bactérie. Un morceau de sucre. Oh là là, mais ils sont de plus en plus beaux, ces cartons, c'est incroyable. J'ai beaucoup réfléchi pour ton cadeau. Encore. Et à la fin, il n'y a rien. C'est un cadeau qui... C'est un cadeau qui va faire un carton. Une boîte. Une boîte à carton. Il y a trop de suspense, Léo. C'est possible. La prochaine fois, tu me feras des suspense comme ça parce que là, j'en peux plus. Oh, c'est une boîte de céréales. Non. Léo, t'entends quoi? Celui de tes rêves. C'est un petit chien et des bananes. C'est un petit chien. Une licorne. Ah, c'est un gros homme. Un bébé licorne tout petit comme ça. Oh là 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 là. On revient ce soir. Et il va partir en garde à vue. C'est lui qui va forcément te faire plaisir. On a marre. Il y avait peut-être. Mais c'est pas possible. Il avait pas assez de plaques dans ses lettres. Mais il est sérieux. Mais ça dure du boulot. Mais là, c'est une excuse. Au début, c'était l'heure. On a des ruptures de stock de l'autre. Il est en rupture. Oh là là. Que tu as toujours espéré. Toi, il y a une pression. C'est une idée de qui ça? C'est vous, c'est vous qui avez pensé à cette idée? Mais c'est pas possible. C'est toi qui as pensé à cette idée? Non, c'est pas moi. C'est qui? C'est Léo. C'est Léo. Il y a écrit quoi? C'est tout ça. Le cadeau de ta vie. Et il y a une petite boîte. Ouais, allez. Et une bague. Joyeux Halloween. Il est sérieux. Merci. Oui. Joyeux Halloween à toi aussi. Ça fait plaisir. Les bananes, elle était là. Ma blague, elle était bonne. Hein. Voilà, c'est un petit chocolat. Ouais. Et kit. En tout cas, elle a fait un carton. Mais C'était un prank. Ah, merci. Bien. Eh ben, il y en a eu des pranks avec toi. Alors, le prank a bien réussi. Donc maintenant, je vais lui apporter son vrai cadeau. Quand celui-là, il est nettement plus lourd. Donc, ça va être plus compliqué. Celui-là, c'est pas le même prêt. Pardon. Joyeux anniversaire, profite bien de tes 13 ans, gros bisous Léo. Chère Levana, te voilà devenue une belle jeune fille pleine de talents et de promesses. Nous te souhaitons un merveilleux anniversaire, que tes rêves continuent de se réaliser. Et soit nous qui avons fait un petit instant. Plein de gros bisous, Sophie et Greg. Merci. La licorne. Une licorne, il y a quoi comme Noël? Une baignée géante. C'est quoi là? Regarde la sucette, elle est géante. J'ai vraiment de quoi me tenir compagnie cette nuit. Il y a le cochon de Diana. Ivana. Waouh là là là. C'est de qui? C'est Léo. Et il y a une grande cachette. Oui, ça va, c'est comme une Ivana. C'est parce qu'ils sont gourmands. Non, mais oui, c'est un gourmand. Oui, regarde, c'est pareil que nous. Merci, Léo. De rien. Tu l'as bien protégé. Oui, c'est sûr. J'ai cru.
Alors comment tu as trouvé tes cadeaux? Super, j'ai adoré l'œil. Il était c'était super. Très bon. Non, sincèrement, merci pour tout. Au début, tu pensais à quoi quand je t'ai offert ce premier Je me doutais un peu que ça finirait pas. Que ça finirait par un petit truc, mais quelque part, j'avais un petit espoir, tu vois, qu'il y a un gros truc. Mais bon, à la fin, t'étais contente de tes cadeaux. Et sinon, c'est trop bien. Merci. Ouais. Les peluches, je vais dormir avec. Et franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup. Déjà, j'ai les petites peluches Mickey et Minnie que tu m'as donné la dernière fois. Mmh. Et maintenant, j'ai les versions géantes. Voilà. Je dors avec toutes celles-ci. Ah, bah, c'est cool. Hein. Super. Puis ça me fait plaisir de t'avoir revu, du coup. Ça faisait longtemps, ça faisait combien de temps? Pas mal, ouais, c'est sûr. Pas mal de temps. Tu sais, on se manque souvent. Et voilà, l'anniversaire est terminé. Très sympa, les décorations. C'était bien joli. Emma a été contente de son anniversaire. Et puis vous avez vu les réactions pour le prank? Ça a bien marché. Je suis content de mon prank. Et puis à la fin, quand même, le deuxième cadeau lui a bien plu. Donc c'était cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut! Maintenant que j'ai pranké Levana, qui je pourrais pranker? Je sais pas trop. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire.